le nom de la personne avec qui vous souhaitez vous y rendre, tout en mentionnant le hashtag Côté Foot. Attention, oh l'occasion, oh l'occasion pour Bousmar qui était tout seul face à Sotbezic. C'était le maire, tout à fait, excusez-moi Vincent. Oh bah alors celui-ci, il va pas falloir lui en laisser autant. Et c'était, t'as raison, c'était bien Bousmar, Vincent. C'était Bousmar. Ouais, ouais. Je suis désolé, man. Il n'y a pas de souci. Vincent, on s'en rendra compte dans quelques minutes. Attention parce que le ballon est toujours marseillais avec cette frappe sans problème pour Didier Després. C'était tout simplement Hussein Zakouani Saïd qui avait dégoupillé. Tâche de début de saison ou les stages hivernaux, c'est pour compléter un peu les effectifs. Attention à ce ballon perdu, la sanction peut-être marseillaise, mais Didier Després est à nouveau bien dans son match. Et c'était Youssouf Sarri qui avait pris en tout cas cette tentative après être venu presser la défense. Faire attention à ce que l'enjeu ne prime pas et ne prenne pas le pas en tout cas sur le jeu. Avec ce bon ballon là dans l'intervalle, la tentative qui va passer juste au-dessus. Et à nouveau, ce garçon dont on a beaucoup parlé, Florian Chabrol. Une bonne récupération au départ, hein, sur une mauvaise passe lensoise. Et puis derrière, toujours pareil, l'idée de vite se projeter. Là. Et le ballon dans la boîte du côté marseillais. Oh, la sortie, attention de Didier Després, il n'y a plus rien dans les buts, on l'a sauvé. La deuxième tentative, ils sont héroïques, c'est lensois. Oh, oui, ça a été très 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 vite. Oh, la sortie un peu hasardeuse de Didier Després. Il sort très loin, ouais, trop loin. Trop loin, surtout sur un ballon à cette hauteur-là. Ouais, ouais. Oh, le premier sauvetage incroyable. Regardez la deuxième tentative. Non. C'est la poitrine. C'est la poitrine. Coup de bluff intenté par Lucas Perrin. Oh, l'ouverture du score pour l'Olympique de Marseille dans les toutes dernières minutes de jeu à la 86e. Suite à ce coup de pied arrêté. Oh, les Olympiens. Coup de tonnerre. Coup de tonnerre à Bourges. On revoit ce corner. Et à la conclusion. Oh, le but de Renard. Oh, le but de Renard. C'est Bollnay. De Bollnay, l'entrant. Tout à fait, Dylan Bollnay, on l'a dit. On va voir, tiens. S'il va y avoir une réaction. Très bien tiré et... Attention à la réaction lensoise. Voilà. Oh, l'égalisation. Oh, c'est énorme. Oh, c'est énorme ce match. Les lanceurs du cœur. Les lanceurs du caractère. Côté descend, énorme, monsieur Tom Lucro. Qui égalise au premier, regardez. Et c'est même un but contre son camp, Vincent, non? Ouais, parce que en fait, alors, vous avez le ralenti, mais moi, enfin, ils sont trois pour les poteaux, c'est quand même incroyable. Partout, au bout du temps réglementaire, eh bien, on part tout de suite pour une séance de tir au but. Premier tireur est marseillais, c'est Ali Mohamed Abdallah. Eh bien, en force, et ça passe pour le Marseillais, 1-0. Moussa Sylla face à Sohan Bezic. Il est grand, ce gardien. Marseille en a cessé d'insister là-dessus. Moussa Sylla, et bien sans problème, il égalise un partout. Il affole l'Europe. Camara, et il marque, petit filet. Marseille garde l'avantage et on est à 100% de réussite de part et d'autre. Ça va partir pour Corentin Lemaire, et voilà, c'est au fond des filets. Deux buts partout face à Didier Després. Et ça passe pour le Marseillais. Charles Boly. Il a pris beaucoup d'élan, hein, Charles Boly. Les petits pas. Charles Boly, le pied gauche arrêté par Sohan Bezic. On en parlait juste avant, Vincent. Ouais. Voilà. Ouais, là, trop de piétinement. Course d'élan, trop de... des piétinements. Ouais. Voilà. Deny face à Didier Després. Gen Deny, contre-pied parfait face à Didier Després. 4-2 pour l'OM. Pour une place au Stade de France pour l'OM peut-être. Eh bien, il faudra attendre pour les Olympiens. Face à Didier Després, Florian Chabrol et c'est un fort. L'Olympique de Marseille est qualifié pour la finale de la Coupe Gambardella grâce à ce cinquième pénalty. 100% de réussite pour l'OM et l'Olympique de Marseille 38 ans après qui va jouer une finale de Coupe Gambardella.